Comment ça va? Merci encore une fois d'être au portail, d'avoir choisi de venir adorer le nom de Jésus portail, Merci de me donner le privilège de vous enseigner. Ce matin est une matinée spéciale, alors que nous avons la célébration de baptême à nos trois réunions. Donc, c'est vraiment quelque chose, on est excités. On en a eu à la première réunion. À cette deuxième réunion à Laval, on va avoir des baptêmes également. Et on en a aussi à Terrebonne, pour notre église de Terrebonne. Donc, c'est un, un grand matin. Êtes-vous d'accord avec moi que même si ça fait des années qu'on suit Jésus, on ne doit jamais se blaser des baptêmes, de voir des gens témoigner leur nouvelle vie en Jésus. Dis un vrai Amen, c'est si d'accord avec moi. Et on est dans une série de messages sur le prophète Isaïe. Maintenant, permettez-moi de faire une parenthèse. Au lieu d'étudier Isaïe ce matin, on va regarder un homme qui a été bouleversé, changé, transformé par une parole du prophète Isaïe. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans les Actes, chapitre 8. Pour les autres, vous pouvez suivre sur les écrans. Et on va lire l'histoire d'un homme qui a été transformé par quatre choses et qui va se faire baptiser pour témoigner sa foi en Jésus. Et moi-même, il y a 23 ans, j'étais jeune, malheureux, perdu, désespéré, drogué, en colère. Et c'est pas un cliché, c'est mon témoignage, c'est mon histoire. Et Jésus a changé ma vie. Et il y a quatre choses. Tu sais, Jésus a changé ma vie, mais concrètement, il y a quatre choses qui ont impacté ma vie. Et c'est les quatre choses de l'histoire de l'homme qu'on va lire. Et c'est quatre choses qui peuvent changer ta vie ce matin. Quels sont ceux qui croient que Dieu est dans la business de la transformation des vies? Donc, versets 27 à 28. Un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace. Candace, c'était le nom des reines d'Éthiopie, comme Pharaon est le nom des rois en Égypte. Donc, le haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, est responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char en lisant à haute voix, le prophète Ésaïe. Tout ça commence avec l'histoire d'un homme qui a un besoin. Mon histoire a commencé quand j'ai réalisé mon besoin. Ton histoire avec Dieu peut commencer quand tu réalises ton besoin. Cet homme-là est un eunuque. Est-ce que vous savez c'est quoi un eunuque? C'est quelqu'un qui a été castré. Si tu te poses la question, Pasteur Gaëtan, qu'est-ce que la castration cherche sur Wikipédia? Pourquoi est-ce qu'on castrait les hommes qui étaient fonctionnaires à la cour, c'est qu'on voulait s'assurer que les hommes étaient safe. Alors que tu es à la cour, il y a un harem, il y a plein de belles demoiselles, tu veux t'assurer que le monsieur reste focus. Donc, il est castré. Maintenant, derrière derrière cette histoire, quand même on fait des blagues, mais il y a une tragédie. Il y a un homme qui est atteint dans son identité. Et peut-être, c'est comme toi, ton identité s'appuie sur toutes sortes de choses. Ton identité est sur ce que les autres ont dit que tu étais. Peut-être que tu veux prouver ta valeur, ton importance. Cet homme-là a un titre, a un poste, il gère de l'argent. Et comme aujourd'hui, des années plus tard, c'est un peu la même chose, le Québécois moyen, encore une fois, veut se prouver. On cherche notre identité à la recherche, de toutes sortes de choses, notre identité souvent est dans notre job, dans nos titres, dans nos diplômes, dans notre compte de banque. Et comme cet homme, on réalise que ces choses ne peuvent pas répondre aux besoins fondamentaux de nos vies. Et cet homme est en quête spirituelle. La Bible nous dit qu'il revient de Jérusalem. Il cherche quelque chose. Moi, pendant des années, avant de rencontrer Jésus, j'ai cherché dans l'ésotérisme, dans la magie, dans toutes sortes de trucs, dans les religions. Dans... J'ai cherché le nouvel âge. Je cherchais, j'étais en quête spirituelle. Et le paradoxe, c'est que cet homme-là veut pratiquer une religion qui l'exclut. Dans la religion de l'époque, on disait que l'unuque ne pouvait pas faire partie du peuple de Dieu. Donc cet homme-là est condamné. Peut-être que tu étais ici ce matin puis tu vis avec la condamnation. Maintenant, voici ce qui prend place. Ça commence avec une personne qui a un besoin et cet homme lit quelque chose de très important qui va changer sa vie. Il lit quoi? Il lit l'horoscope. Non. Il lit la Bible. Vous savez, les gens souvent qui critiquent la Bible sont ceux qui ne l'ont jamais lu. Ça, les gens me disent souvent, Oh, c'est bien, la Bible a été falsifiée. Tu viens de me montrer que tu ne connais pas ton affaire. Parce que la Bible est le livre qui a été le plus copié, recopié. On a tellement de versions de la Bible que si à un moment donné, quelqu'un falsifie la Bible dans l'histoire de l'Église, tout le monde le sait. Ce n'est pas un manuscrit anonyme. C'est comme si je te dis, euh, moi, je ne pas me vanter, mais je mesure huit pieds. Tu vas Ben, non, pasteur Gaétan, je vois, que tu mesures à peu près six pieds. Je dis « Non, je mesure huit pieds. » Et là, je te sors mon galon à mesurer, comme on dit en hébreu, mon tape à mesurer. Et là, je te dis « Tu vois, là, c'est huit pieds. » Tu te dis « Non, non, il y a un problème. » Et là, chacun d'entre vous, vous allez amener votre tape à mesurer et vos tapes, vous allez avoir exactement la même mesure. Puis finalement, vous allez vous rendre compte que c'est moi le falsificateur. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de tapes à mesurer dans le monde qu'on connaît les mesures. Il y a tellement de manuscrits de la Bible dans le monde qu'on sait que la Bible est véritablement la parole de Dieu qu'elle n'a pas été falsifiée. Maintenant, cet homme-là va lire la Bible. Pourquoi? La Bible dit d'elle-même qu'elle est une lumière, elle éclaire. La Bible t'éclaire sur la réalité des choses. La Bible t'éclaire sur Dieu, elle t'éclaire sur ton besoin, elle t'éclaire sur le monde. Et le problème, lorsque la Bible est claire, c'est que ça ne fait pas toujours notre affaire. Parce que la Bible, je l'ai souvent dit, la Bible n'est pas une fenêtre pour juger les autres. La Bible est un miroir qui te renvoie à ton état. Ce matin, peut-être que tu n'as pas aimé l'image que tu as vue dans le miroir. Pour dire quelque chose, même si tu changes le miroir, tu vas avoir la même face. Et souvent, on rejette la Bible, pourquoi? Pas parce que la Bible se contredit, on rejette la Bible parce que la Bible nous contredit. Tu fait penser à cette histoire. Moi, j'aime beaucoup les reportages d'hommes de, de, qui veulent survivre dans la nature. Et euh, à un moment donné, il y a un homme, ça fait des, des jours et des jours et des jours qui est dans la forêt, il y a rien à manger, il est dans une grotte, il allume un feu, puis là, finalement, il voit quelque chose, une sorte de fruit, on sait pas trop. Quelque chose qui peut se manger, faut il faut qu'il mange. Il regarde le fruit, puis il y a des vers, ça grouille, puis il essaie d'enlever les vers, puis il essaie de manger, mais finalement l'homme dit la seule solution pour que je sois capable de manger ça, c'est d'éteindre la lumière. Il a éteint son feu, mais il semble que dans le noir c'est moins pire. Il y a des, fois, quelques, il y a des gens quelquefois aiment mieux éteindre la lumière de la parole de Dieu que de réaliser leur véritable état. Ouch. Et cet homme regarde justement, regarde, OK, oui, qu'est-ce que la Bible dit de moi-même et quel est l'espoir que j'ai? Et regardez ce qui prend en place. Cet homme-là réalise que la Bible seule peut transformer. Ça commence, tout commence avec la Bible. Vous savez, on, on, on va beaucoup mépriser la Bible, mais quels sont ceux qui ont lu la Bible et qui peuvent dire ça a changé ma vie? Pas parce que quelqu'un le dit, mais c'est mon expérience personnelle. Si j'étudie la Bible, si j'enseigne la Bible, c'est parce que ce livre-là a changé ma vie, sinon je ferais d'autres choses. Je n'ai pas de temps à perdre. Personne ne veut consacrer sa vie à une fable ou à un mythe. Et ce livre a transformé ma vie. Ce qui a transformé ma vie, ce qui a transformé la vie de cet homme, ce n'est pas ce que les papes ont dit. Pas ce n'est pas ce que Hollywood dit. Ce n'est pas ce que V dit. Ce n'est pas ce que papa dit, ce que maman dit, ce que ta femme dit, ce que ton frère dit, ce que ton prof dit, ce qu'un prêtre ou un pasteur a dit. C'est ce que Dieu dit. La première chose qui peut changer ta vie, c'est la Bible seule. Où vas-tu puiser ton information sur Dieu, sur la vie, sur la mort? Et c'est drôle, souvent on met beaucoup d'énergie dans des petites choses de la vie, mais dans les choses importantes, on est dans la spéculation. Alors que la Bible nous parle d'une révélation, Dieu s'est révélé. Et c'est la première chose parce que... Quand tu reconnais la valeur de la Bible, tu peux comprendre son message. Voici ce qui prend en place. Il lit dans le prophète Ésaïe, mais il va lire quoi Philippe a couru. Donc Philippe, qui est un chrétien, qui est autour, il voit l'eunuque qui est sur son chariot en train de lire le prophète Ésaïe. Pourquoi Parce que dans l'Antiquité, on lisait à voix haute. On ne lisait pas dans notre tête, on lisait à voix haute. Donc il entend les dire, je connais ça. Donc Philippe a couru, il entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. il lui dit, comprends-tu ce que tu lis il répondit, Comment le pourrais-je si personne ne me guide? Il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Et là, c'est une prophétie d'Ésaïe qui nous parle que le Messie va venir pour souffrir pour l'humanité, pour le péché de l'humanité. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit était enlevé, et sa génération qui la racontera, car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, il lui pose une très bonne question. Je te prie, de qui le prophète dit-il cela De lui-même ou de quelqu'un d'autre D'un couvercle à l'autre, la Bible dit que l'homme est pécheur, l'homme a besoin de Dieu et Dieu veut nous sauver. Et Dieu doit envoyer la solution. Et la solution, c'est quelqu'un, un juste, un pur, qui meurt pour le péché de l'humanité. C'est un peu comme j'avais là un reporter général à un moment donné où, dans un baraquement, une grenade qui est arrivée. Puis quand une grenade arrive, les soldats se poussent, puis il y a un soldat qui s'est jeté sur la grenade pour l'absorber. C'est en plein ce que Jésus a fait. Jésus a absorbé la mort. Jésus a absorbé le salaire du péché, la conséquence du péché. Et ce qu'il a magnifique avec ce soldat, c'est que le médecin lui a dit, « Jeune homme, je suis désolé, mais je vais devoir t'enlever tes jambes. Je vais devoir t'amputer tes jambes. » Est-ce que vous savez ce qu'il a répondu? Personne ne m'enlève mes jambes. J'ai donné mes jambes. Personne n'enlève la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie. La Bible se résume à quoi? Le message de la Bible se résume à quoi? Un code de morale, un code de sainteté? Comment devenir une bonne personne? Il y a des gens qui croient que la Bible, le message de la Bible se résume à la religion. Non. Le message de la Bible se résume à une chose. Attends, préparez-vous, là, vous allez être surpris de ma réponse. Tu peux résumer la, la Bible à un mot. J'ai. La Bible témoigne de Jésus. Jésus est le message de Dieu pour ta vie. Et on voit cet homme, Philippe va lui expliquer justement que Jésus est le seul qui peut changer sa vie. Puis je vous dire ce matin, tu as cherché à droite et à gauche, j'ai cherché à droite et à gauche. Et pourquoi je suis chrétien après 25 ans? Bien, au-delà de 23 ans, c'est parce que Jésus a pu faire quelque chose que lui seul pouvait faire. Jésus a fait dans ma vie ce que personne sur cette terre peut faire. Jésus a fait dans ma vie ce qu'aucun philosophe n'a pu faire. Jésus est, est non seulement le seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, tu es perdu, tu es dans l'erreur et tu es mort. Les gens disent hey, je viens à l'église, puis ils m'insultent. Avant de te donner la bonne nouvelle, je dois te donner la mauvaise nouvelle. Sans Jésus, nous sommes perdus. La Bible dit que nous sommes morts, nous sommes coupés de Dieu, nous sommes ennemis de Dieu. Jésus a marché sur cette terre, il a eu une vie de parfaite obéissance. Il est mort à la croix et sa mort. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité. Jésus est le seul Seigneur. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le commencement et la fin. Je m'excuse, mais il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Dans l'éternité, Dieu va tout juger à la lumière de Jésus. Jésus n'est pas une option. Jésus n'est pas un choix. Jésus est la seule option et le seul choix. Et Cet homme-là va comprendre justement que la Bible seule peut changer sa vie. Pourquoi? Parce que le message de la Bible, c'est Jésus seul. Seulement Jésus peut te pardonner. Seulement Jésus peut te libérer. Jeulement, seulement Jésus peut te donner une deuxième chance. Seulement Jésus peut te réconcilier avec Dieu le Père. Seulement Jésus peut te donner l'assurance de la vie éternelle. Seulement Jésus peut faire en sorte que ta vie compte. Jésus seul. Je vais commencer à prêcher dans quelques instants. OK. Et c'est pourquoi on dit ici à l'Église de Portail tout a toujours rapport avec Parce que la Bible dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Je sais, des gens, vous entendez ça toutes les semaines, mais. Je m'excuse, Jésus est le seul, je n'ai pas d'autre message. Et lorsqu'on se fait baptiser, lorsqu'on met notre foi en Jésus, c'est qu'on déclare, non pas j'adhère à une religion, on déclare, je veux que tout dans ma vie ait rapport avec Jésus. Jésus, il est le Sauveur, il est le Seigneur, comme j'ai souvent dit, ce c'est pour moi qui le dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout dans ta vie. Et quand on réalise tout ce que Jésus a fait pour nous, quand on réalise son amour, quand on réalise sa puissance, sa grâce, je dis, moi je veux que ma vie ait rapport avec Jésus. Bon, il y a beaucoup de choses sur cette terre. Je ne veux pas que ma vie ait rapport avec ça. Mais je veux que ma vie ait rapport avec Jésus. Puis je ne veux pas juste que ma vie ait rapport avec Jésus. Je veux que ma vie ait toujours rapport avec Jésus. Dans mes bons comme dans mes mauvais jours. Quand ça va bien, quand ça va moins bien. Dans la vie comme dans la mort. Je veux que tout ait toujours rapport avec Jésus dans ma vie. Je ne veux pas que Jésus ait rapport avec Jésus juste quand je viens à l'église le dimanche. Je veux que Jésus soit Seigneur de mon lundi à mon samedi et de mon dimanche. Et cet homme-là va comprendre justement ce que Jésus a fait. Regardez verset 35. Alors Philippe prit la parole et commençant par cette écriture, il lui annonça toutes les règles qu'il devait obéir pour plaire à Dieu. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non. non. Je suis content que personne n'ait dit Amen. Alors Philippe prit la parole et commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est une bonne nouvelle. Il y a trop de chrétiens qui, dans leur face, Jésus n'est pas une bonne nouvelle. Jésus est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a du monde qui croit que Jésus est une bonne nouvelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le christianisme, ce n'est pas tant les sacrifices que je fais pour Dieu que le sacrifice que Jésus a fait pour moi. Ça veut dire que le christianisme, c'est pas ma performance pour Jésus, c'est la performance de Jésus pour moi. Ça veut dire que le christianisme, c'est pas mon obéissance pour Jésus, c'est l'obéissance de Jésus pour moi. Ça veut dire que ce qui détermine le christianisme, ce n'est pas mes œuvres, c'est l'œuvre de Jésus à la croix pour moi. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, parce que Jésus offre ce que Bouddha, ce que Mahomet, ce que Nietzsche, que n'importe qui sur cette terre et dans le ciel ne peut offrir. Et cette bonne nouvelle se résume à quoi? Ce qui distingue le christianisme de l'ensemble, de tous les courants religieux et philosophiques, c'est la chose suivante. La grâce. La grâce. C'est que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Mais pour comprendre cette bonne nouvelle, tu dois comprendre la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es pécheur. Nous sommes pécheurs. J'étais pécheur, j'étais mort dans mes péchés. Et devant Dieu, je suis condamnable et condamné. Plein des gens qui disent Ah, moi, j'ai ça là, quand je viens à l'église, on me parle de condamnation. Là. Mais pour avoir la bonne nouvelle, tu dois saisir la mauvaise nouvelle. Et Dieu doit te condamner, puis des gens vont dire « Oui, mais si Dieu est bon, il pourrait juste dire « Ok, on oublie ça, t'es pécheur, mais c'est pas grave. » Mais Dieu ne peut pas faire ça parce qu'il se réunirait lui-même. Dieu est un bon juge. Ok, imagine que tu sors de l'église et que finalement il y a un jeune quelque part qui a brisé les fenêtres de ta voiture, a graffiné ta voiture et a peinturé des slogans obscènes sur ta voiture. On pogne le jeune. Et là, on l'amène devant le juge. Puis toi, là, ça t'a coûté pour 7 dollars de frais. Puis le juge dit, c'est correct, c'est un jeune, c'est une bonne personne après tout. Retourne-toi chez vous, pour on oublie ça. Tu vas faire un hey, time-out, monsieur le juge, votre honneur, time-out. Pourquoi? Parce que tu t'attends à avoir une justice. Ce serait un mauvais juge. Maintenant, on a ce principe-là pour la terre, mais pas pour les cieux. Dieu est un bon juge. Je ne peux pas juste dire avec le péché, on oublie ça. Il doit apporter une solution. Et Dieu est brillant. Dieu a trouvé une solution. Dieu s'est dit, je ne peux pas dans ma sainteté laisser faire le péché. Je ne peux pas faire en sorte que le péché soit impuni. Mais je vais apporter une solution. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer mon Fils unique marcher sur cette terre. Il va avoir une vie parfaite que personne n'a eue. Il va mourir pour tous. Et par lui, je vais pouvoir amener le pardon et le salut à l'humanité. Que je puisse entendre un vrai Amen. Alléluia. OK, je vais ramener ça niveau basique, illustration. C'est comme si je disais à mon fils, OK, si tu n'arrives pas à l'heure, parce qu'il arrive toujours en retard, si tu ne reviens pas à l'heure ce soir, tu n'as pas de dessert. Mon fils arrive 20 minutes en retard. On arrive, on mange le repas, on arrive au dessert, nous sommes quatre, il y a juste trois morceaux de gâteau. On s'assoit, je suis là, et là, je me prépare à savourer. Le lui, je le vois, qui est là, c'est son dessert préféré. Finalement, c'est vous ce que je fais? Je dis, OK, prends ma portion. Je me prive afin que toi, tu sois béni. Je paye à ta place. Jésus a payé la conséquence de ton péché afin que tu sois béni à sa place. C'est ça la bonne nouvelle. Et ça, ça ne dépend pas de tu mérites pas. Il n'y a personne qui peut mériter son ciel, qui peut gagner son ciel. C'est la grâce, c'est la faveur et mériter. Et regardez, ça change tellement sa vie. Cet homme-là a compris que par la Bible seule, qui enseigne que Jésus seul, puis la solution en Jésus, c'est la grâce seule. Regardez ce qui prend place. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'unique dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'unique répondit, Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je pose cette question, et c'est une question peut-être que tu te poses maintenant. OK, qu'est-ce qui m'empêche d'être justifié? Qu'est-ce qui m'empêche d'être pardonné? Qu'est-ce qui m'empêche d'être sauvé? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir Jésus? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voici la grande réponse théologique après des années d'études. Rien. Est-ce que Philippe va dire, ok, si tu fais ça, si tu suis un cours, quand tu auras assez d'expérience, quand tu auras assez de sainteté, là, tu pourras te faire baptiser. Quand tu auras assez de connaissances, là, tu pourras te faire baptiser. Quand tu auras assez de si, quand tu auras assez de moralité, quand tu nous auras assez impressionné, quand tu seras sans contrôle, quand tu seras un assez bon chrétien, là, on va te baptiser. Vous savez que c'est ce qu'on fait partout à travers le monde. Cet automne, j'ai eu cette discussion-là partout. En Moldavie et en France avec des pasteurs. Des pasteurs, puis je me sens, on, 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 je suis à Paris, puis le pasteur il me dit Oui, mais vous ne pouvez pas baptiser des gens comme ça. Je dis, Oui, mais ces gens sont si on est convaincus que les gens ont, ils disent qu'ils ont mis leur foi en Jésus. Ils disent Non, mais tu ne peux pas. Ils ont encore du péché dans leur vie. J'ai dit, cher frère, toi et moi, on a encore du péché dans nos vies. Il a dit Oui, mais il y a des gens qui sont, sont peut-être encore liés par le tabac. Il dit oui, mais j'ai appris qu'il y a des liens invisibles qui sont beaucoup plus forts que les liens visibles. Donc, la question est ce n'est pas un concours de sainteté, le baptême. Le baptême, c'est l'engagement de quelqu'un qui dit je comprends ce que Jésus a fait pour moi, je reçois, je vis cette œuvre intérieure et je veux le démontrer à l'extérieur. Vous savez, le baptême ne bénit pas, ne purifie pas, ne change pas. Le baptême, c'est simplement. Okay, le baptême est un acte extérieur qui ne produit pas une œuvre intérieure. Le baptême est un acte extérieur qui atteste, qui témoigne d'une œuvre intérieure. Quand tu te fais baptiser, quand tu vas dans l'eau, c'est l'image de la mort et tu reviens. Et soyez en paix dans les 40 années de vie de cette Église. Nous n'avons oublié personne dans le bassin. Tout le monde est revenu. Pourquoi? Parce que Jésus ramène à la vie. Jésus ne laisse pas dans la mort et c'est le, le symbole, c'est on est comme enterré en ce vie, on revient à la vie. Et vous allez voir les gens, puis c'est drôle parce que il y a des gens qui, qui sont stressés puis ont l'impression qu'ils vont, qu vont passer des heures et des heures sous l'eau et c'est un millième de seconde. Puis il y a des gens là, qui sont à peine rentrés dans l'eau ils sortent comme ah, 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 faites-moi le bouche à bouche. Et c'est un peu, quand tu mets ta foi en Jésus, tu reçois ce que Jésus a fait pour toi, le Saint-Esprit vient en toi, Jésus met son esprit en toi, c'est comme, ah, tu reviens à la vie. Ça, la religion ne peut pas le faire. Jésus fait ce que la religion ne peut pas faire. C'est pour ça qu'on baptise. Jésus a dit, celui qui croira sera baptisé. C'est un symbole important, c'est un signe visible. Mon jonc est le symbole extérieur de mon lien intérieur, de mon amour intérieur avec ma femme. Je peux enlever mon jean mais ça ne change pas la réalité de ce que je vis. Parce que j'avais de l'amour pour ma femme. Il n'y a personne qui va se marier en se disant « J'espère de développer de l'amour ensuite. » Si c'est ton idée, on est là pour toi, les pasteurs. Viens nous rencontrer, on va t'aider. On ne se marie pas espérant qu'on va développer de l'amour. On se marie parce qu'on a de l'amour. On ne se fait pas baptiser espérant développer une communion avec Dieu. On se fait baptiser parce qu'on a foi en Dieu. On ne se fait pas baptiser pour avoir plus de Jésus, on se fait baptiser parce qu'on a déjà Jésus. Et comment tout ça prend place? Bien, par la foi seulement. Et c'est pour ça qu'on est prêt, il y a des gens, peut-être tu nous visites ce matin, puis bam, tout à coup, tu dis Oui, je reconnais mon besoin, je suis pécheur, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, je mets ma foi en lui, tu peux te faire baptiser, même si ça fait quelques minutes que tu es dans une église, que tu t'entends parler de la Bible et de Jésus. Pourquoi? Parce que la seule chose qui change, c'est la foi seule. On veut s'assurer que la foi est authentique. Mais la foi seule. Et c'est pourquoi Jésus va dire, pour venir à Jésus, ça prend deux choses. Ça prend la repentance et la foi. OK. La foi, commençons par la foi. La foi, c'est quoi? Ça, c'est Jésus. OK. C'est une image. OK. Ce n'est pas vraiment Jésus, là. Ça, c'est moi qui s'appuie sur Jésus. Ça, là, c'est moi. Est-ce que je vais être sauvé Est-ce que je suis pardonné Est-ce qu'il faut que je sois aimé par Dieu Est-ce que, est que je dois travailler pour... Hein, il y a du monde comme ça. Là, si tu étais assis toujours en... Parce que tu n'as pas confiance à la chaise, puis il y a du monde, tu vis ta vie chrétienne comme ça. Comme... Je fais confiance à Jésus, mais tu travailles tellement fort pour mériter ton salut. Puis, il y a juste une chose que j'ai le goût de dire, c'est relax. Jésus dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui pédale depuis des années pour être pardonnés, qui veut, tu veux te prouver dans la vie, arrête. Tu es déjà aimé, tu es déjà accepté. Fais simplement t'appuyer, te reposer en Jésus. C'est ça, c'est la foi. Mais Jésus dit que ça ne prend pas seulement la foi ça prend quelque chose qui précède la foi. Et c'est la repentance. Chaque personne, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a un bagage. La Bible appelle ça le péché. Puis tu t'en rends pas compte. Mais c'est l'eau. Puis il y a des gens qui disent Mais moi, je ne sens pas le péché. Est-ce que le poisson sent l'eau Tu es tellement dedans que tu ne réalises pas. Puis là, il y a du monde qui pense que venir à Jésus, c'est juste comme je mets ma foi, puis c'est beau. C'est comme si j'arrive. Puis là, Jésus dit Repose-toi, confie-toi en moi. Puis là, je fais comme. ah. Est-ce que c'est suffisant Non. Ah. Ça c'est la repentance, ça c'est la foi. Ça veut dire quoi concrètement Beaucoup de gens tu veux ajouter Jésus à ta vie. Tu ne peux pas vouloir ajouter Jésus à ta vie sans vouloir enlever le péché à ta vie. Le baptême, c'est pas que tu es rendu. Le baptême, c'est l'engagement de dire je veux suivre Jésus. Je veux suivre Jésus. Et ce qui fait la différence, la chose, la chose qui compte, c'est la foi seule. Et ça, c'est la justification par la foi, c'est la doctrine la plus importante de la Bible. C'est-à-dire que Dieu te déclare juste. De pécheur, Dieu dit condamnation. Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il te regarde et te dit justification. Première étape. Et après ça, Dieu va te transformer. Mais le baptême, ce n'est pas une déclaration que je suis transformé, que je suis une bonne personne. Ce n'est pas ça. Et regardez cet homme, ce qui va prendre place. Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, parce qu'il voit de l'eau, puis il dit Philippe Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Philippe ainsi que l'Eunuque, donc ils descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'unique, il le baptisa. Quand il fut remonté de l'eau, il poursuivait son chemin tout joyeux. Moi, je me souviens du jour de mon baptême, puis waouh, j'étais tout joyeux. Pourquoi Juste tout joyeux d'avoir pris la décision publique de suivre Jésus. Maintenant, je vais dire quelque chose, et c'est l'anti-message, OK? Ce qu'on veut, dans quelques instants, on va faire un appel, c'est-à-dire on va commencer à chanter. Ceux qui veulent se faire baptiser, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu l'œuvre de Jésus, qui ont reçu la grâce, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus au moyen de la foi, simplement, pas parce qu'ils qu ont fait quelque chose, parce qu'ils croient que Jésus a tout fait pour eux. On va t'inviter à sortir, à venir te baptiser, te préparer, puis on va baptiser, mais... Le but, c'est un baptême spontané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas fait de grands programmes, c'est qu'on y va spontanément. Mais permettez-moi de dire ceci. Je sais que plusieurs églises nous, nous, nous regardent et je sais que ça va se reproduit déjà dans plusieurs églises. Ça commence. Le but, ce qu'on veut, ce n'est pas la quantité. C'est la qualité. Qu'est-ce que je veux dire? Le but, ce n'est pas de faire un, de parler de Jésus de manière abstraite, puis d'avoir un grand nom puis baptiser 100 personnes. Non. Le but c'est de baptiser des personnes qui comprennent vraiment ce qu'est le baptême et qui ont vraiment reçu Jésus. Et ça, c'est toi seul qui peux le dire. Et c'est pourquoi j'aimerais te donner 10 raisons de ne pas te faire baptiser ce matin. Ils moi ce pasteur-là est vraiment mauvais en marketing. Il organise un baptême, puis il leur dit, voici des raisons de ne pas te faire baptiser. Voici. Ne te fais pas baptiser pour être sauvé ou pardonné. Tu te fais baptiser parce que tu sais que Jésus t'a sauvé et t'a déjà pardonné. Ne te fais pas baptiser pour être transformé. C'est pas vrai. Dans l'eau du baptême, ça ne va rien changer. La seule chose que ça va changer, c'est que tu vas être plus mouillé. Mais l'eau n'est pas magique. Tu ne vas pas être délivré tout à coup à cause de l'eau sainte de l'Église. Ne te fais pas baptiser pour booster ta communion avec Dieu. Ne te fais pas baptiser pour marchander avec Dieu. Tu sais que tu n'avais pas en règle avec Dieu. Tu dis Ok, je me fais baptiser, mais je garde ça dans ma vie. Dieu n'est pas un marchand de tapis avec lequel tu peux négocier. Il est Seigneur. Amen. Ne te fais pas baptiser, cinquièmement, je l'ai vu, pour remercier Dieu pour une faveur obtenue. Merci Seigneur de m'avoir donné une job, je me fais baptiser. Dieu te regarde avec plein d'amour et il dit Mais ça n'a pas rapport. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On se fait baptiser pour témoigner. Qu'il y a une œuvre intérieure, que Jésus a fait son œuvre, mais on ne se fait pas baptiser parce que Dieu nous a fait quoi? C'est comme. C est, c est pas, le baptême n'a pas cette fonction-là. On ne se fait pas baptiser pour améliorer sa vie. Du monde qui a dit Comment ça se fait, je me suis fait baptiser, mais j'ai encore des problèmes. Encore une fois, ça n'a pas rapport. On ne se fait pas baptiser pour vivre une expérience spirituelle. On est dans une génération l'émotion est vraiment importante. Là, tout à coup, il y a de la musique. Là. on veut vivre de quoi? Fais pas ça. On ne se fait pas baptiser pour accomplir un rituel pour changer de religion. Moi, j'étais catholique, là, j'étais évangélique, Puis, c'est pas de même ça marche. Là. Le baptême, ce n'est pas un changement de religion. Pas une, le baptême n'est pas une question de religion, c'est une question de relation personnelle avec Jésus. notre autre raison, de, ne te fais pas baptiser pour faire plaisir à quelqu'un. Ta blonde t'a à l'église. Elle a dit, « Moi, je veux suivre Jésus. » Toi, ça t'intéresse pas. Mais tu es venu ce matin. Puis tu dis: ben, écoute, ça peut juste me donner des points. <laughs> fais pas ça, le baptême est sérieux. Ne te fais pas baptiser pour faire plaisir à ta mère. Si vous êtes un parent, vous devez mettre zéro pression. Ne te fais pas baptiser pour un conjoint, pour ta femme. Pour ton... On ne se fait pas baptiser pour les autres, on se fait baptiser pour une conviction personnelle. Ne te fais pas baptiser pour avoir un t-shirt gratuit. Fais pas ça. Vous savez, j'ai tout vu. Ça fait 20 ans que je suis pasteur, j'ai tout vu. On se fait simplement baptiser parce qu'on croit en Jésus. Amen. C'est ça le symbole du baptême. Je m'identifie à Jésus, je m'identifie à sa mort, à sa résurrection. Donc, dans quelques instants, il y a des gens qui vont être dans le baptistère et je vais leur poser la question est-ce que tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur Oui ou non Si tu dis non, ça peut être malaisant, mais c'est correct, tu vas ressortir du baptistère, euh, personne n'est obligé. Mais c est, c est, on a reçu, j'ai reçu quelque chose. Vous savez, la grâce, c'est Dieu qui donne la foi, elle reçoit. Comment, tu dis, comment recevoir tout ce, ce pardon, cette liberté C'est la foi qui s'accapare, c'est la foi qui saisit. Simplement. Maintenant, qui devrait être baptisé Si tu es ici et tu dis Moi, j'ai mis ma foi en Jésus, mais je ne suis pas baptisé, je pense que ce matin, c'est ton opportunité. Comme cet homme, il a vu de l'eau, il s'est dit Il y a une occasion, une opportunité, je ne sais pas quand ça va se reproduire. Tu es quelqu'un, tu es une foi authentique en Jésus, ne tarde pas. Ne tarde pas. Fais-toi baptiser. Il y a des gens qui vont dire, OK, c'est quoi les, les, les qualificatifs? Est-ce que tu crois que Jésus est sauveur? Est-ce que tu comprends la croix? Est-ce que tu as reçu le salut par grâce au moyen de la foi? Si tu réponds oui, félicitations, tu es candidat au baptême. Maintenant, il y a des gens qui disent, est-ce que je dois me refaire baptiser? Oui et non. Si tu as été baptisé lorsque tu étais petit, moi j'ai été baptisé, mes enfants m'ont amené à l'église lorsque j'étais bébé. J'ai été baptisé. Jésus a dit, encore une fois, lorsqu'on s'appuie sur la Bible seule, euh, Jésus dit Celui qui croira sera baptisé. C'est un acte volontaire personnel. Donc, lorsque j'ai décidé, moi, de suivre Jésus, je me suis fait baptiser parce que c'était ma décision, ce n'était pas la décision. Ma foi ne reposait pas sur celle de mes parents ou celle de mon parrain ou de ma marraine. Donc, si tu étais baptisé lorsqu'il était petit, tu étais inconscient, oui. Tu te fais rebaptiser. On est une grande église avec des gens de différents arrière-plans qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent de mouvements sectaires, des gens qui sont athées, des gens qui sont peu importe. Euh, tu viens d'une église, par exemple, témoin de Jéhovah ou mormons où le baptême dans ces mouvements n'est pas un baptême qui t'identifie à l'œuvre de Jésus. Je pense que quand tu comprends l'œuvre de la croix, quand tu comprends Jésus, quand tu comprends la grâce, oui, tu dois te faire baptiser parce que ton baptême n'était pas un baptême de grâce, n'était pas un baptême de foi. C'est un baptême de religion. Donc, oui, euh, tu peux te faire rebaptiser. Il y a des gens qui disent Oui, mais moi, je me suis fait baptiser plusieurs années. Euh, je me suis détourné de Dieu, je suis revenu, je suis parti. Est-ce que je dois me refaire baptiser Non. On se fait baptiser une fois et il y a, quelques, il y a deux principes dans la, dans la vie chrétienne. La justification, Dieu te déclare juste c'est la déclaration du baptême. Mais Il y a ce qu'on appelle ensuite la sanctification. Et dans ce processus, oui, quelquefois, on s'égare, on revient. Mais si on se faisait baptiser à chaque fois qu'on revient à Dieu, on ferait des baptêmes à toutes les semaines. Puis toi, Pastorate, on te rebaptiserait pas mal. Parce que. Euh, si vous avez été invité, vous êtes un chrétien d'une autre église. Vous n'êtes pas baptisé ce matin. Vous êtes là, vous dites Waouh Moi, je vais me faire baptiser. Je pense qu'on doit se faire baptiser dans son église locale. On ne va pas l'interdire, mais on pense par respect. Si vous marchez dans une église. Vous devez vous faire baptiser là où vous marchez. Donc, on vous encourage à vous faire baptiser dans votre église locale et pas de venir dans, dans une autre église. Où... Si vous, vous n'avez pas d'église, vous êtes joint à nous, vous êtes le porteur, c'est mon église, bienvenue. Euh, on baptise les jeunes de 13 ans et plus. Euh, vous savez, la Bible ne nous donne pas plein de consignes elle nous enseigne de baptiser, mais le reste est une grande liberté. On pense qu'on veut un jeune à 13 ans et plus commence à comprendre ce qu'est le salut. Mais si vous êtes un jeune qui est en bas de 18 ans, on vous demande de venir avec vos parents, que vos parents attestent de votre foi. Donc, on pense que c'est important de travailler. Si vous êtes un jeune, vos parents ne sont pas à l'église, encore une fois, on veut l'autorisation de vos parents, on ne veut pas faire ça dans leur dos. C'est tellement important. On veut honorer Jésus, mais on veut honorer vos parents également. Donc, pour toutes ces raisons, ce matin, nous allons aller au baptême. Voici comment est-ce qu'on va fonctionner. On va commencer à chanter. Si alors tu es là, là tu sais que tu veux te faire baptiser ce matin, tu as déjà ton, donné ton nom, tu sais, euh, tu peux commencer à te préparer parce qu'on veut vraiment s'assurer d'avoir le temps de baptiser les gens. Donc, on va chanter. Pendant qu'on va chanter, si c'est toi ce matin, dis, moi oui, je veux m'identifier à Jésus, je veux déclarer publiquement ma foi en Jésus, je veux symboliser à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, je vais te demander dans quelques instants d'aller sur la porte du côté, à ma droite, à votre gauche. Il y a quelqu'un qui va vous diriger, vous allez aller à l'arrière. On a une équipe de pasteurs qui sont là pour vous accueillir, simplement pour, pour vous accompagner, voir avec vous rapidement, OK, pourquoi tu veux te faire baptiser, s'assurer que tout le monde comprenne bien. Euh, C'est spontané, mais on veut juste se donner, discuter avec vous. Euh, et ensuite, vous allez pouvoir aller vous préparer. Plusieurs personnes, si vous avez décidé de vous faire baptiser, vous avez déjà votre serviette, vous avez déjà votre maillot, vous arrivez, on vous donne un chandail. Euh, vous êtes ici ce matin puis vous dites, Waouh, moi, je n'avais pas préparé. On a un maillot pour vous, on a une serviette pour vous, on a un T-shirt pour vous. Donc, on veut s'assurer que tout le monde soit libre. Donc, peu importe qui vous êtes, simplement allez sur le côté et on va tranquillement y aller. Ce matin, comme j'ai mentionné, le nombre n'est pas important. On peut avoir une personne, trois personnes, dix personnes, mais pour ceux qui vont se faire baptiser, ça va compter. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » à ça? Et là, bon, nous